La femme m'inspire beaucoup de créativité. Ce qui est avec elle, c'est qu'on peut suivre les courbes de son corps. Donc, c'est une femme aussi qui aime la créativité, qui aime les choses originales. Par ailleurs, chez l'homme, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il est un peu plus contraint dans la société dans laquelle on vit. Il a beaucoup plus difficile de s'exprimer et de porter des choses créatives. Maintenant, il y en a, mais c'est beaucoup plus rare. Alors, c'est pour ça que je me destine plus à créer pour la femme. Donc l'artiste est un peu comme une sorte de rêve inaccessible. Ce qui est difficile en fait, c'est un petit peu, tout dépend un petit peu de sa localisation. Donc je veux dire, suivant où il se situe, ben, ça va interpeller le public différemment dans la mesure où le public n'est pas le même dans une ville ou dans une autre. Et pour moi, c'est un métier en fait où il faut toujours, toujours être productif, toujours trouver de nouvelles idées et toujours travailler l'image en fait. Et ça prend beaucoup de temps avant que cette image ne devienne rentable. Et donc au-delà de mon travail, donc ça fait, je veux dire, quelques années où je me destine aussi à pouvoir partager ma passion avec de jeunes créateurs. Donc je forme des jeunes créateurs à devenir stylistes. Et en parallèle, je m'occupe aussi de personnes qui ne sont pas du tout dans le monde créatif et j'essaye d'aller pêcher chez eux leurs petites semences créatives pour essayer de montrer aussi qu'ils sont capables de produire des choses et de trouver des idées. Donc j'essaye de les mettre en valeur, de leur redonner confiance et de prouver qu'ils sont aussi quelqu'un.